Yeah. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici. Voilà. On est très content que vous soyez là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je dois dire quelque chose? Je sais pas, l'élément déclencheur pour devenir boudère en fait. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous a permis de grandir et de devenir boudère? Tous les gens qui ont jamais cru en moi. Voilà. Ça m'a inspiré de sauter les obstacles et de toujours croire moi en moi et de se dire qu'on n'est pas différent, on est autrement. Chacun est comme il est et c'est ça qui fait la force. Voilà. Je voudrais vous dire là vous êtes 3200 et je vois 3200 trésors uniques et précieux et je voudrais que vous en ayez conscience. Vraiment, apprenez à vous aimer vous, parce que tout dans la vie nous empêche de nous aimer nous, et c'est la clé. Ne vous comparez pas à personne. Faites votre bout de chemin et faites-vous du bien. Vraiment. Michelon. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être là. Je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de maillots du PSG aussi. Ah bah ouais, aussi c'est une ville de foot aussi. Mais le plus important, c'est de voir surtout tous les sourires sur les visages. Je pense qu'on est ici pour partager une superbe après-midi et on va essayer de profiter un maximum. Bienvenue aux arènes de Nîmes. Merci. Ici c'est Nîmes. Donc pour vous, l'élément déclencheur dans votre jeunesse qui a déterminé votre avenir. C'était de faire plaisir à ma mère. Comme quoi, c'est important. Oui, faire plaisir à mes parents, je voulais qu'ils soient fiers de moi. Comme j'étais pas très bon à l'école, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre alternative pour qu'ils soient fiers de moi, et j'ai trouvé ma voie. Et comme ça m'amusait beaucoup, j'ai essayé de m'amuser et de faire de ma passion un travail. Voilà. Et je voulais dire que moi, je suis très fier de voir là autant d'Arabes, autant de Noirs, autant de Gitans, autant de Portugais. Il y a des gens de toutes les origines et on est ensemble. Ça, c'est la classe. Du bruit pour vous, du bruit! Ce 12 octobre, l'association Inspired by KM a réuni une foule de Nîmois et Nîmoises autour de Kylian Mbappé dans les arènes de Nîmes. Pour l'occasion, nous avons rencontré Jamel Debbouze et James Hutt lors de la présentation du film Le Nouveau Jouet au CGR. Un rendez-vous unique pour un film qui cartonne déjà dans les avant-premières. On peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. Moi je le contrôle, je vais pas arriver tout de suite. C'est vraiment depuis mes débuts en fait, je rêve de travailler avec Jamel, parce que évidemment un talent comme ça, une unicité comme la sienne, ça ne peut qu'inspirer des metteurs en scène. Et c'est vrai qu'en écrivant le jouet avec Sonia Chilito, de cette première version qu'on a écrit ensemble, on s'interdit de penser aux acteurs en général, parce que s'ils refusent, et si vous écrivez pour quelqu'un, à part quand on écrit Brice de Nice pour Jean par exemple, mais sinon on essaye de s'empêcher de penser à un acteur, il n'empêche que Jamel apparaissait de plus en plus, et on croisait les doigts vraiment quand on a terminé la version, que ça lui plaise et qu'il nous rejoigne pour cette aventure. Michelin, nous avons joué la petite surprise aujourd'hui. Michelin, oui. Ouh. C'est chaud, hein.
C'est chaud, Michel. Je veux quand même dire, excusez-moi, que je suis là parce que je les aime, que je ne suis pas dans le film, et pire encore, que ce film sort le même jour que Belle et Sébastien dans lequel je suis. C'est la première fois Belle que je Belle et Sébastien dit. Dupré. Vous irez voir les deux films. Et c'est grâce à Michel que je fais du cinéma, car c'est elle qui a joué le premier rôle de mon premier film, Serial Lover. On peut l'applaudir, elle nous a fait la surprise. Je voudrais remercier la fondation Kylian Mbappé, Inspired by KM, de pouvoir donner la possibilité à des enfants, à des associations, que ce soit d'aller au cinéma aujourd'hui. Mais je sais exactement tout le travail qu'ils font au cours de l'année. Je tenais à remercier Kylian de sa présence. Et merci aux enfants et aux associations. Merci beaucoup. On peut l'applaudir deux fois. Merci Kylian. T'es déjà là ? C'était bien ta journée ? C'est une super journée. Sadek, tenez, merci beaucoup. Merci, t'as vendu des théières ? Eh ben, je les prends toutes. Sérieux ? Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type. Allez, confisquez tout. Faut arrêter les plans foireux, là. Cette fois, faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir ? Plutôt du midi. D'un enfant, fils de milliardaire, qui vient de perdre sa maman et qui n'a plus du tout de rapport avec son papa. Et il a beau être l'enfant de l'homme le plus riche de France, et pourtant il est très très triste. Jusqu'à la rencontre avec Samy, qui lui est l'un des plus pauvres de France, mais qui a plein d'amour autour de lui, plein de joie. Et ça va être la rencontre de ces deux mondes, c'est une espèce de choc des cultures. C'est une très belle histoire, c'est très marrant. Mais c'est très touchant, je pense. J'ai eu beaucoup de mal, moi, j'ai eu très peur à l'idée d'avoir un enfant, ma femme aussi. On a connu ça. J'ai été chercher des choses que j'ai vécues. Et devenir un adulte, c'est la chose la plus dure qu'on ait à vivre, nous, je trouve. Avoir le sens des responsabilités d'un coup, alors qu'on a toujours été irresponsable, c'est toujours difficile à aborder. Donc je trouvais que c'était un sujet très intéressant. On a été très bien servi par James Hutt. Et Sonia, sa compagne, on avait un très bon scénario. J'ai pu y mettre mon style d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est pas un remake, c'est pas une adaptation, c'est une nouvelle proposition. C'est le nouveau jeu. Salut, merci d'être venu. Merci la famille. Merci les amis. On est ravis de vous recevoir, merci pour cet après-midi incroyable, parce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet après-midi. Jamel, on a vécu un truc incroyable aux arènes. Merci Jamel. Ouais. Non, c'était super aux arènes, grâce à toutes ces associations, tous ces gamins qui nous ont suivis. Moi je suis très heureux de vous présenter ce film. ça va cousin, je te vois. Ouais, je te vois, ouais, je sais. Oui, papa, oui, je sais. Et... Jamais, merci. Bon film à tous, j'espère que vous allez kiffer. Ouais, ça t'a plu ? Un petit mot pour oui, James Hutt et Jamel. Très bon film de Jamel, super film bien réalisé, rigolo. Et comme d'habitude, hein, c'est Jamel. Hein. Bon, merci. Merci à vous. Ah, petit mot. Bonjour. Bonjour. Ça t'a plu ? Oui, très bien. Il est très bien. C'est bon, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Le robot. Le jouet. Ouais. Tu veux me dire un petit mot, merci. Alors, est-ce que ça t'a plu ? Alors, ce que t'as appris de Jamel, qu'est-ce que le message de Jamel, c'est quoi ? Que même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut être quelqu'un. Et il en faut pas beaucoup pour être heureux. Ouais. Voilà, c'est le message de Jamel. Bon, mais merci. Voilà, merci à vous. Hop. C'était vraiment incroyable, génial. Un bon film, ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment incroyable, c'était drôle et émouvant. Il était très drôle le film, ça m'a fait beaucoup rire, surtout le gars qui savait pas parler arabe, mais à la fin il savait parler arabe. Ouais.
pas compris. C'était génial. Ouais. C'était formidable, c'est amusant. Tu peux dire quelque chose, Dino? Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il y avait le monsieur, le cuisinier. En fait, il courait et Jamel, il voulait lui attraper toutes ses madeleines. C'était drôle. Mm. Et toi? Et moi, Mel Debbouze, il m'a signé là. Et je l'aime trop. Et je l'aime trop, Mel Debbouze. Bon, c'était comme ça. Ouais, ouais. Vous avez aimé le film? Ah oui, nickel. 10 sur 10. Moi, ce qui m'a fait rire le plus, c'était quand il essayait de voler les madeleines. Moi, c'est quand ils étaient dans le bain. Ouais, ça vous a plu tout le film? Oui. Et vous? Oui aussi, merci. C'était très marrant. Bon, ok, ouais. Bah, merci.